Tout ce qui me donnait toi et puis t'es en train de traîner ici quoi. C'est trop mal. Vous avez le droit d'exposer les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays. Vous avez le droit de, d'être reconnu comme réfugié politique, comme on dit, ou bien d'être attribué à un autre statut comme statut de protection humanitaire, comme on dit, statut de protection subsidiaire. Mais ça, même si vous prenez la carte du réfugié, la blanche, si vous avez jamais vu, là encore, ça reste que personne ne vous garantit le travail, personne ne vous garantit un meilleur logement, personne ne vous garantit qu'en Grèce, le propriétaire de la maison ne va pas vous traiter mal. Non, la solution, c'est différent. La solution pour la Grèce, c'est de quitter. De quitter la Grèce. Parce que avec la condition, avec condition de vie qu'on mène présentement, la solution, c'est de quitter. Maintenant, comment faire pour quitter? Oui. Comment faire pour quitter? C'est pas tous les gens qui ont de l'argent. C'est pour cela, moi, j'aide les gens. Et tout le monde me connaît d'ailleurs, hein, que moi, ils ont dit, c'est le père des pauvres, quoi. Je suis un père des pauvres. Pas des pauvres. Voilà. Parce que moi, quand j'ai pu le travail là, vraiment, je serais très content quand j'entends que la personne est passée. Parce que l'argent, s'ils me donnent 20 ou 100 ou 200, ils vont, l'argent va terminer, quoi. Mais si la personne passe, il va me dire toujours, me remercier avec Dieu, quoi. C'est pour cela que j'aime aider les gens beaucoup. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'aéroport ou pas avec une carte comme ça? Bon, nous, on fait du travail, on fait du bon travail. Et autre chose, c'est pour la personne, quand il part à l'aéroport, il faut qu'il se montre comme un Européen, quoi. Pas que, je sais pas moi, il faut qu'il s'habille comme un Européen, il faut qu'il se prenne comme un Européen, tu vois. Et la chance aussi, elle joue son rôle beaucoup. Ouais. La chance joue son rôle beaucoup. Bien sûr. Bon, voilà pour Malaise est parti, il n'a pas passé. C'est ça qui est parti en Paris, mais lui-même il est là. Sac là a voyagé, mais lui-même il est resté. Ses affaires ont voyagé, mais lui-même il est resté. Ah! Pour pouvoir lui la puce. Puce grecque. Puce grecque dans son portable. C'est ça qui a gâté tout le voyage. Pourquoi il a puce grecque? On va quitter ici. Inch'Allah. Il est temps d'un séjour là-bas. Allez, bon cœur. On va quitter ici. Ouais. On se dit la vérité. On va plus que non, c'était le pire. Tu vois. Il est le pire dans l'agence là. Ouais. Pourquoi il pas ni bleu, ni tu m'as Siri. Ouais, c'est vrai. Non. Blanc. Ah, mon billet. Ah, ton billet, quoi? Mon billet d'avion. Mon dernier était quoi? Billet d'avion avec beaucoup d'une personne. Donc, où ça, nous, Jack Diga, pour tout d'avis? Ouais. Barrage. D'après, il a dépassé le premier barrage, il a tout pâté dans un chou comme on appelle. Scanner. Où est-ce que tu as dit 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 que
Ah ben, j'avais un billet sur Athènes et Thessalonique, Milan, Paris. Mais malheureusement, puisque le lundi passé, j'ai été à l'aéroport, franchement, mais ça s'est pas bien passé, quoi. Quand je suis arrivé au niveau du premier barrage, on dit, il est là, mon frère. Il sait qu'il y a un problème. Il dit, vous dites qu'il est là, mon frère. Il dit, vous dites, moi, je n'attendais pas ce que vous dites. Que monsieur, ça vous, je parle. Il dit, ah, ok, je suis venu, qu'il n'y a que les papiers. J'ai donné mon billet, plus mon récépissé. Ils ont contrôlé. Ils ont pris, ils ont déposé à côté, qu'il de m'arrêter. Il dit, mais pourquoi il m'arrête à côté? Qu'il n'y a que ce contrôle immigration. Il dit, mais est-ce que moi, vous avez dit que je suis immigré? Tu es un grand immigré. Non, mais c'est la vérité. Il dit, est-ce moi qui vous ai dit que mais tu es un grand immigré. Pourquoi? Mais tu es un grand immigré. Il est en Europe, c'est pas il ne se respecte pas. Hein? Sinon, c'est déjà en Europe. Hein? Le problème de chez nous, c'est l'équité ici. Donc, il dit, est-ce moi qui t'ai dit que je suis immigré? Mais monsieur, écoutez, moi, je ne suis pas un immigré. C'est là, il dit, je vous dis que c'est la police contrôle, mets-toi à côté. Il dit, laissez-moi partir. Tu as commencé à tempêter, bon. Il n'y avait pas de solution, quoi. Donc, il dit, bon. Il a pris mon passeport et je suis parti. Tu vois, voilà comment mon voyage s'est gâté. Mais on est sur le dernier plan. Parce qu'avec vol, ça me fait 6e fois que je tente vol. Je ne passe pas. Moi, je fais 4 fois la report. Tu vois, on a les petits qui sont allés par la voie terrestre, qui sont rentrés. On leur a donné un récépissé présentement en Hongrie. Ah, vous comprenez? Qui vient de dire ça? On vient de m'informer ça tout de suite là. Quel récépissé? Les yaya là. Quel yaya? Les lamines là. Les lamines ont un récépissé? On a un récépissé dans ces 2 jours là. Tu comprends? Mais lamine vient de partir en vantier là. Il vient de rentrer, tu comprends? Ah putain. Et on a un récépissé, un truc, cas de bus. Tu comprends? Ils sont payés 40 euros par mois. Et par semaine. Par semaine. Nous on est ici, on est en train de faire nos de la malonie. Hein? On est des responsables, mais rien ne va. Tu comprends? Ceux-là veulent nous faire des animaux. Donc nous, on va leur montrer qu'on est les hommes. Nous, on va quitter.